Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires ou détruire des structures de joueurs en faisant exploser un bidon d'essence. Alors déjà pour réaliser ce défi il vous faudra trouver un bidon d'essence, donc pour vous aider je vous affiche une map avec tous les emplacements des bidons d'essence de Fortnite chapitre 3. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais me rendre près de ce pont là, justement une personne qui s'y rend. Et en fait, là où il se trouve, enfin, en dessous du pont, il y a plein de bidons d'essence. Après, il y a des bidons d'essence là, et il y a des bidons d'essence, bien entendu, dans toutes les pompes à essence. Donc moi, ce que je vous conseille, ben, c'est de vous rendre dans une pompe à essence ou de vous rendre au même endroit que moi. Et regardez, ça, c'est un bidon d'essence, donc je vais en récupérer. Je vais en récupérer plusieurs. Franchement, ici, il y en a vraiment blindé. Hein. Regardez, il y en a un là, un là, un là. Il y en a vraiment partout, partout. Donc le but, c'est au moins d'en prendre un, voire deux. Comme ça, vous êtes sûr que si vous vous loupez une fois, ben, vous pourrez réessayer une deuxième fois. Donc là, je vais essayer d'infliger des dégâts parce qu'il y a deux possibilités. Soit de vous infliger des dégâts à l'adversaire directement avec le bidon d'essence, donc en le lançant comme ça, et puis ensuite lui infliger le faire exploser le bidon d'essence et lui infliger des dégâts avec le bidon d'essence. Ou soit vous attendez qu'il construise une construction. Et dès que vous voyez qu'il a construit une construction, bah vous lancez le bidon d'essence à côté de sa construction, vous faites exploser le bidon d'essence et là vous détruisez une structure. Parce qu'il suffit juste de détruire une seule structure adverse ou alors infliger un seul point de dégâts à l'adversaire avec l'explosion du bidon, je dis bien l'explosion du bidon, pour terminer le défi et récupérer les récompenses. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de regarder autour de vous s'il y a quelqu'un qui construit. Là, regardez, il a construit. Il va partir. Si vous passez par là et que vous voyez que c'est une construction adverse, bah là, vous placez le bidon d'essence, vous détruisez le bidon, vous explosez le bidon d'essence, vous détruisez la structure avec et ensuite, bah, ça validera votre défi. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace.